Bonsoir, bienvenue dans le vlog du dimanche soir consacré à l'harmonica. Nous sommes le dimanche 1er janvier 2017. Je profite de cet épisode de vlog pour vous souhaiter une excellente année 2017, pleine de musique sur votre petit instrument, pleine de bonheur, de joie et de partage également, puisque la musique... C'est bien de la jouer pour soi, mais c'est aussi bien, même parfois encore mieux, de la partager. Donc voilà, on va parler de quelque chose de très très sérieux ce soir, les sages résolutions. Bah oui, vous savez, hein, c'est la saison. Le 1er janvier, c'est l'occasion de prendre de sages résolutions. Alors généralement, les sages résolutions, on ne les tient pas, on les tient une semaine ou deux, puis après on se dit, ouais, bon, finalement on revient à la vie qu'on avait avant. Et là, en fait, je vais vous proposer d'avoir trois résolutions pour cette année 2017, mais des résolutions réalistes qui vont vous permettre de vous sentir encore mieux en musique. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de vlog. Alors, ces trois résolutions, tout d'abord, les trois résolutions, ça vaut pour vous, mais pour moi également. Donc, je vais vous indiquer ce que j'ai décidé pour 2017, et puis à vous de prendre vos propres résolutions. La toute première résolution, ça va être quoi? Eh bien, ça peut être, par exemple, de se dire, il faudra que je prenne une décision pour progresser en musique, pour progresser à l'harmonica. Une décision qui ne soit pas juste une chose que je fais dans l'année, mais quelque chose que je vais faire tous les jours. Voilà, donc ça va être, par exemple, jouer 20 minutes d'harmonica par jour. Admettons que vous n'en jouiez que 10 minutes par jour, vous pouvez vous dire, à partir de cette année-là, j'en fais 20 minutes par jour. Par exemple, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Ou alors, si vous ne vous êtes pas encore lancé dans les cours, dans les formations, vous pouvez vous dire, allez, pour que je puisse progresser, bon, c'est bien, je regarde des vidéos sur YouTube, je lis des articles, des choses intéressantes, mais là, cette fois, je me lance, je m'y mets, allez, c'est parti, je me prends un cours d'harmonica ou je me paye une formation, allez, cette fois-ci, j'y vais, je fais quelque chose pour progresser à l'harmonica. Hein. Donc, soit travaille régulièrement, ça peut être ça aussi, alors... ça peut être par exemple, moi j'ai déjà pris des cours, je prends déjà des cours, par exemple dans l'école d'harmonica, l'école internationale d'harmonica, que j'ai l'honneur de diriger. Bon, alors très bien, je prends déjà des cours, mais bon, alors quand je fais l'harmonica, j'en fais quand même une bonne demi-heure, voire une heure, mais bon, je ne travaille pas très régulièrement, donc je vais m'astreindre maintenant à une certaine régularité, parce que le secret, c'est la régularité, c'est vraiment ça qui vous fait encore mieux progresser. Okay. Donc ça peut être la sage résolution pour votre donc savoir niveau travail comment je vais travailler l'instrument pour progresser. Donc ça peut être ça, donc soit la régularité, soit en faire deux fois plus, c'est-à-dire 20 minutes ou le 10 minutes, soit se lancer dans une formation. Pour ma part, ce que je vais faire, bon, j'ai pas besoin de me dire est-ce que je vais en faire 10 minutes ou 20 minutes par jour, puisque moi, pour mon propre compte, j'en fais 2 heures par jour, donc bon voilà. Alors, il va sans doute y avoir des nouveautés en 2017, mais tout d'abord, je m'engage à suivre au moins 4 rendez-vous, et oui, 4 rendez-vous minimum. Le vlog du dimanche soir, ça, vous y êtes habitués maintenant, donc avant, je voulais faire un épisode de vlog tous les jours, mais bon, c'est complètement infaisable de faire ça tous les jours. Donc, je continue l'épisode de vlog tous les dimanches soirs à partir de 20h. Ensuite, le deuxième rendez-vous, c'est le samedi, c'est la vidéo du samedi midi. Donc ça, j'ai fait ça pendant longtemps, j'ai arrêté un peu, j'ai repris, j'ai encore arrêté. Et maintenant, voilà, ma sage résolution. Donc ça fait partie, enfin les quatre feuilletons, on va dire, hebdomadaires,
Ça fait partie de ma résolution en termes de régularité. Donc, la première chose, les vidéos de vlog, le vlog du dimanche soir, et ensuite les vidéos du samedi midi. Et non seulement vous allez voir des vidéos chaque samedi, donc la vidéo du samedi midi, c'est quoi? Ben, c'est qu'en fait, je reprends soit un morceau de jazz issu de mes recueils ici, soit une chanson française issu de mes recueils ici, soit une composition issue d'ici. Voilà, donc soit une reprise de morceaux d'un standard du jazz, pas forcément d'ailleurs un standard du jazz, mais un morceau arrangé en jazz, soit une chanson française avec un arrangement personnel, soit une composition. Et à chaque fois, vous trouverez les trois possibilités pour apprendre à jouer un morceau, soit la tablature seule, soit le dossier pédagogique traditionnel, soit le dossier pédagogique complet. Je ne reviens pas dessus. Si vous avez une hésitation sur ce que ça signifie, je vous mets un lien sous la vidéo. Vous pourrez revoir tout ça en détail. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Voilà. Le troisième rendez-vous, ça va être le vendredi. 5 minutes pour vous répondre. Autrefois, je faisais tous les jours. Je disais, chaque jour, je prends 5 minutes pour vous répondre. En fait, dès que je trouvais une question qui revenait souvent, je me dis, tiens, ce serait pas mal de faire une vidéo là-dessus. Parce que c'est un peu comme les foires aux questions sur les sites. On se dit, tiens, je me pose une question, peut-être que quelqu'un y a déjà répondu, donc on essaie de regarder les foires aux questions, mais bon, c'est que du texte généralement. Et je me suis dit, ce serait mieux de faire ça en vidéo. Mais le faire pareil tous les jours, c'est pas toujours évident, et il n'y a pas non plus 100 000 questions qui reviennent régulièrement, quoi. Parfois, il y a une question vraiment, vraiment très intéressante. Je ne dis pas qu'il y a des questions complètement... il n'y a pas de questions nulles, hein, il n'y a pas de questions idiotes, toutes les questions sont intéressantes, mais parfois il y a une question vraiment originale. Donc je me dis, tiens, là, ce serait pas mal de faire une vidéo là-dessus. Et puis les vidéos, enfin les questions les plus récurrentes, c'est aussi bien de faire des vidéos. Mais, une vidéo par jour, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc, j'ai décidé de reprendre ça. Alors, vous allez voir sous une forme vraiment différente de ce que je fais d'habitude. Donc ça, c'est une petite surprise. Vous allez voir ça à partir du mois de février. Ce sera tous les vendredis. Okay, donc tous les vendredis, je répondrai à une question, soit une question très originale qu'un élève m'aura posée, soit une question vraiment récurrente, une question qui revient vraiment souvent. Okay, donc ça, c'est le troisième rendez-vous. Et le quatrième, c'est jeudi, c'est jazz. Jeudi, c'est jazz. Il y a déjà plusieurs épisodes. Il y en a déjà 6, il me semble. Eh ben, il va y en avoir d'autres, c'est-à-dire que tous les jeudis, je vous proposerai une phrase de jazz. L'idée, pour vous, c'est d'avoir du vocabulaire. Si vous voulez improviser en jazz, eh bien, vous aurez la possibilité de non seulement d'écouter cette phrase, de voir la partition, la tablature, de télécharger un dossier pédagogique traditionnel en rapport avec cette phrase, et même de lire un article pour comprendre d'où vient cette phrase, comment je l'ai pensée. Donc ça peut aussi vous donner des idées pour d'autres phrases d'improvisation. Ok, donc si vous aimez le jazz, tous les jeudis soirs, jeudi c'est jazz, et ça ne va pas commencer tout de suite, ça commence à partir du mois de mars. Ok, donc désolé pour les bruits, hein, on entend quelques bruits, mais j'ai du monde chez moi, il y a quelques locataires qui vivent chez moi, et ils sont parfois un peu bruyants. Voilà, là il y en a qui sort, très bien. Les épisodes du vlog du dimanche soir, ça a déjà commencé et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année 2017. Les vidéos du samedi midi, ça a déjà repris. Là on en est au chant de Noël et je prévois la toute première chanson française très bientôt après les chants de Noël qui va être une chanson que vous avez plébiscitée, vous êtes plusieurs à l'avoir choisie. C'est « Dieu fumeur de Havane », une très bonne chanson. Moi, j'aime beaucoup cette chanson de Serge Gainsbourg. C'était le duo qu'il avait fait avec Catherine Deneuve. « Dieu est un fumeur de Havane ». Et elle lui disait « Toi, tu n'es qu'un fumeur de gitane ». Enfin, c'était vraiment une très bonne chanson. Et du coup, je vais m'amuser à l'apprendre à l'harmonica et je vais faire une vidéo du samedi midi. Et vous aurez la possibilité de télécharger soit la tablature, soit un dossier pédagogique pour apprendre à jouer ces morceaux. Ok ? Donc ça court, donc le vlog du dimanche soir et les vidéos du samedi midi, c'est déjà en cours. À partir du mois de février, il y aura les épisodes de vidéos 5 minutes pour vous répondre.
Et à partir du mois de mars, la reprise des vidéos jeudi, c'est jazz. Ok. Bon, ben voilà, ça c'était ma première résolution hein, sur la régularité. Tous les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, il y aura une nouvelle vidéo. Oh, j'ai du boulot moi, mais bon, c'est tellement passionnant. Ok, alors maintenant la deuxième décision que vous pouvez prendre, cette fois-ci, c'est une décision que vous pouvez prendre, on va dire, pour conserver du plaisir, parce que là on a parlé du travail, ok, il faut que je sois régulier, il faut que je me lance dans une formation, dans un cours, etc. Et maintenant, ce serait pas mal que vous disiez, ben voilà, j'ai un défi en fait, plutôt qu'une décision, ça va être un défi. Qu'est-ce que ça va être mon défi cette année? Ça c'est bien, ça nous booste en fait les défis, parce qu'on fait, surtout, alors il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que quand je me lance un défi personnel, bon, si je ne vais pas au bout, je me dis, bon, c'est pas très grave finalement, bon, est-ce que vraiment c'était indispensable? Et puis si je le promets à quelqu'un, je dis, voilà, je me lance un défi, et je vais t'en parler, je te promets que je vais tout faire pour relever ce défi. Si je n'y arrive pas, au moins j'aurai essayé, mais vraiment, je vais vraiment faire l'effort d'essayer. Et bien, dans ce cas, ça nous engage encore plus. Moi, ça m'engage encore plus. Et du coup, ça me booste encore plus pour aller au bout de ce défi. Donc, moi, mon défi, ça va être d'apprendre à jouer 100 morceaux, 100 nouveaux morceaux d'harmonica cette année. Voilà, donc ça fait quand même 2 morceaux par semaine, c'est pas mal. Mais bon, enfin voilà, quand on commence à avoir un bon niveau à l'harmonica, c'est pas si difficile que ça d'apprendre à jouer des morceaux. Je pourrais en apprendre un tous les jours peut-être, mais bon, un par jour, ça fait quand même beaucoup. Et puis ce qui est bien, c'est pas seulement de jouer les notes, c'est aussi d'interpréter le morceau, d'improviser. Donc bon, le premier jour, je vais apprendre à jouer le morceau. Le deuxième jour, je vais le répéter encore pour interpréter le morceau, c'est-à-dire trouver des effets, des variations de notes, des choses comme ça. Et puis le troisième jour, je m'attaquerai à l'improvisation. Ce qui fait que un morceau en 3 jours, bon ben voilà, en gros, ça peut faire 2 morceaux par semaine, il y a 52 semaines par an, donc ça peut aller jusqu'à 104 morceaux. Bon, il y a forcément des semaines où j'aurai moins le temps, ça je m'en doute. Donc voilà, donc je vais essayer de... Voilà, mon défi, ça va être d'apprendre à jouer 100 morceaux cette année. Bah, vous qui n'en êtes pas à mon niveau, peut-être que vous allez vous dire, oh là, mais il est fou, 100 morceaux par an, pour moi c'est déjà 12, c'est déjà beaucoup. Donc, mais par contre, vous pouvez vous donner comme défi, plutôt que d'apprendre à jouer 2 morceaux par semaine, bah, je peux comprendre que ça fasse beaucoup pour certains, vous dire, bah, j'en fais un tous les 15 jours par exemple. Ce qui fait déjà 26 morceaux dans l'année, c'est pas mal déjà. Okay, donc voilà, ça peut être un autre défi, vous dire, ok, j'apprends un nouveau morceau toutes les 2 semaines. Dans les formations, il y a déjà, c'est une option que vous pouvez choisir, vous pouvez avoir la possibilité de télécharger tous les mois 2 dossiers pédagogiques traditionnels pour apprendre à jouer des compositions. Donc ça fait déjà un morceau tous les 15 jours en fait. Hein. Donc après, vous pouvez vous dire, bah tiens, ok, bon, les compositions de Bertrand, c'est bien, mais j'aimerais bien jouer peut-être un peu moins de compositions, mais un peu plus de morceaux connus. Bon, ben voilà, il y a peut-être une vidéo de 5-10 minutes de temps en temps. Voilà, vous dire, ouais, génial ça, j'aimerais bien jouer ça. Bon, ben voilà, plutôt que jouer une compo de Bertrand, je vais jouer plutôt cette chanson française, par exemple, ou ce standard de jazz. Bon. Mais ou alors, vous pouvez aussi vous dire, bah moi, je joue déjà un nouveau morceau toutes les 2 semaines. Donc là, mon défi, ça va être de jouer un morceau par semaine, par exemple. Ok ? Donc voilà, essayez de vous lancer un défi comme ça. Ça, c'était donc la deuxième... sage résolution de l'année. Et la troisième, alors là, on voit beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on voit plus loin dans l'avenir. C'est pas forcément plus haut en difficulté, mais on voit beaucoup plus loin dans l'avenir. C'est de concrétiser un rêve. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis quelques années. Me dire, voilà, j'aimerais bien, oh, j'adorerais faire ça. Ce serait génial de le faire. Allez, je vais tout faire pour concrétiser ce rêve cette année. Donc pour certains, ça peut être trouver une femme, par exemple. Ça peut être je rêve de divorcer. Ouais, je vais réussir à divorcer. Non, je plaisante. Bon. Mais pourquoi pas. Non, mais voilà, bon, on va rester dans la musique. Par exemple, votre rêve, ça peut être quoi? Ça peut être de jouer un jour sur scène, pourquoi pas. Ou de jouer un jour devant la famille, parce que c'est pas toujours facile, hein, parce que... Jouer sur scène encore, bah, devant un public inconnu, bon, les gens vous applaudissent, très bien.
Mais dans la famille, votre conjoint, tout ça, parfois, bah, il y a des gens qui critiquent un peu, disent, oh, bah, c'est un peu bizarre ce que tu joues, j'aime pas trop. Voilà. Donc forcément, des fois, c'est un peu frustrant. Donc il faut dire, allez, courage, j'y vais, allez, Noël prochain ou à mon prochain anniversaire au mariage de ma fille, j'en sais rien, je pof, allez, j'apprends à jouer un morceau et je jouerai pendant la cérémonie, enfin pas pendant, pas l'église, mais enfin voilà, pendant le, je sais pas, au vin d'honneur, allez, je joue un morceau devant tout le monde par exemple. Vous voyez? Donc avoir un rêve et le concrétiser. Alors mon rêve, moi, cette année, ça va être quoi? Eh bien, ça va être d'organiser un super concert d'élèves. Parce que, alors c'est pas tout à fait un rêve, je l'ai déjà fait, mais là j'ai envie de faire beaucoup beaucoup mieux. C'est-à-dire que d'habitude je fais ça chez moi avec 2, 3, 4, 5 élèves. Et là j'ai bien envie d'organiser quelque chose de grandiose, quoi, de faire vraiment un super concert avec plusieurs élèves, donc peut-être avec vous, quoi. Alors je ne sais pas encore, évidemment, ça c'est un rêve, mais je vais essayer de. J'ai un an pour le concrétiser, pour aller au bout de ce rêve. Donc, d'organiser un grand concert avec plusieurs élèves, avec d'autres musiciens, des musiciens professionnels qui vous accompagneront. Je connais suffisamment de musiciens professionnels, c'est pas très difficile. Je sais que nombreux d'entre eux sont motivés pour ce genre de choses. J'en aurais déjà parlé il y a quelques années. J'ai sous la main suffisamment de guitaristes, de pianistes, de batteur, et ce sera pas très difficile de trouver un bassiste ou un contrebassiste pour vous accompagner. Simplement, bon, il faut trouver l'organisation, et voilà. Donc tout ça va être une grosse organisation pour moi en tout cas, mais c'est un rêve, quoi. J'ai vraiment envie de concrétiser ça, c'est-à-dire de pas simplement faire un petit concert chez moi comme je le fais 2 fois par an, mais de faire vraiment un gros concert avec un public, etc., quoi. Et ce serait aussi l'occasion d'animer un stage autour de ce concert. C'est-à-dire, bah, comment on est sur scène, comment on joue devant les autres, comment on se présente, comment on enchaîne les morceaux, comment on joue avec les autres musiciens, ça peut faire aussi l'objet d'un stage, quoi. Donc ça pourrait être en fait une semaine de stage, par exemple, ou plusieurs jours de stage, et on finit le stage par le concert. Ah, on entend un locataire qui rentre. Décidément, il y a du mouvement ce soir. Ok, donc bon, bah voilà. Donc vos trois résolutions. Une résolution sur votre progression, donc soit vous lancez dans les cours, soit jouer plus régulièrement ou jouer plus d'harmonica par tous les jours. La deuxième résolution, donc c'est de vous lancer un défi, voilà. Et la troisième résolution, d'aller au bout d'un rêve. Ok? Voilà. Encore bonne année 2017, évidemment. Oui, je ne vous souhaite pas encore la bonne année pour 2018, 2019, 2020, on verra ça après, chaque chose en son temps. Tout d'abord, une excellente année 2017, et surtout, continuez de prendre du plaisir à jouer du petit instrument. C'est le plus important, en fait. Allez, à très bientôt, bonne musique!